Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. La Bible dit, priez sans cesse. Et lorsque nous prions, chers amis, nous avons la victoire sur les œuvres du ténèbre. Nous allons prier pour libérer nos entrailles de tout joug satanique. Matthieu chapitre 17, verset 20. Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Marc le chapitre 11, le verset 22 à 24. Et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'elle dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous devons prendre autorité au nom de Jésus-Christ, car Christ nous a donné le pouvoir sur l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir sur les œuvres du ténèbre. Il est injuste que tu souffres de cette façon. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu puisses vivre ce que tu vis. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu puisses perdre tes enfants. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu puisses avoir de complications dans tes entrailles. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu puisses avoir de maladies dans ton ventre et qu'il n'y a pas de place pour les enfants. Il n'y a pas de place pour l'enfantement. Tu ne fais que de fausses couches matin, midi et soir, toutes les années. Tu ne fais que de fausses couches. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ton ventre. À chaque fois que tu vas voir un médecin, tu as toujours de mauvaises nouvelles. Tu développes des maladies, des cancers dans ton ventre et tu ne sais pas comment cela se passe. Tu développes des myomes, des fibromes, tu as des kystes, des choses bizarres dans ton ventre. Il y a un lien de l'ennemi qui bloque les entrailles de ta vie. Rien de bon ne peut être produit. C'est injuste que tu puisses vivre ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour te libérer. Il est venu pour te libérer de ces emprises sataniques. Alors tu peux répéter avec moi, avec foi et conviction, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable
viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins au nom de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux déclarer avec moi, tout filet du diable et de ses démons soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'éloigne la peste loin de mes affaires, de ma famille, de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout filet qui me retient et m'empêche de progresser, je le coupe avec l'épée de la parole, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce moment, j'active la protection de Dieu dans ma vie et ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois toutes les armes de Dieu pour détruire les œuvres du ténèbre dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. J'étouffe toutes les attaques de la nuit et du jour contre ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout piège ou combat contre mon élévation, je l'anéantis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute influence négative contre ma vie perd son pouvoir sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout cordon ombilical qui m'associe à des racines de ténèbres, de coutumes, des esprits ancestrales, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout méchant qui est à l'origine de la douleur de ma vie, je retourne sa méchanceté contre lui. J'ordonne et j'appelle le secours divin et la délivrance divine dans toutes mes entreprises et mes projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois l'autorité, la domination et la victoire sur tous mes oppresseurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je programme ma vie, ma famille, mes affaires pour la délivrance divine, au nom de Jésus-Christ. Toute barrière ou obstacle à ma prière et à ma bénédiction soit détruit. J'envoie le tonnerre de Dieu pour le détruire, au nom puissant de Jésus-Christ. J'introduis ma vie dans la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne un nouveau commencement, un nouvel espoir pour tous ceux qui étaient frappés de mort, menacés de destruction autour de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche l'esprit de force et de résurrection dans l'œuvre de Dieu mourante et dans ma vie, mes entreprises, ma famille, au nom de Jésus-Christ. Tous mes projets enveloppés des ténèbres, j'ordonne que la lumière soit maintenant et dissipe les ténèbres au nom de Jésus-Christ. J'accélère la manifestation de la lumière et de l'accomplissement de la parole de Dieu pour ma vie, ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je confronte les ténèbres de la terre avec la lumière et la gloire de Dieu dans ma vie, partout où je suis, partout où je foulerai le pied, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu dans ma vie parle en ma faveur. Toute voile diabolique qui m'empêche de voir ce que Dieu me montre, je le consume par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la grâce de Dieu dans ma vie affectent les nations et leurs dignitaires, au nom de Jésus-Christ. Que les richesses qui me sont destinées me localisent, au nom puissant de Jésus-Christ. J'éloigne de ma vie toute richesse qui n'apporte pas la joie et le bonheur, au nom de Jésus-Christ. Je réprimande toute situation ou personne qui essaye de fermer les portes
au bonheur dans ma vie. À partir de cet instant, je proclame les faveurs royales de Dieu dans ma vie. Les faveurs de Dieu vont me localiser au nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, je mets la marque de la faveur dans ma vie et j'ordonne à l'univers de satisfaire tous mes besoins selon la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le ciel ne retienne pas ma bénédiction, que la terre ne s'oppose pas à ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que les éléments de la nature travaillent en ma faveur selon l'ordre de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je sème la semence de la prospérité dans l'œuvre de mes mains. Au nom de Jésus-Christ, je ruine et je renverse tout esprit de séduction qui veut me détourner hors de la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rabasanda rababa. Terebo sandiri ababa shanda rababa. Banderebo sandiri ababa. Bandorobo sandiri ababa. Karebo shindaraba. Oribo sanda rebosa. Mandara bababa. Terebo sandara baba. Banderebeboso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout dommage subi par mes organes de reproduction soit restauré et recréé par l'esprit créatif de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout dommage, répète avec moi, tout dommage subi par mes organes de reproduction soit restauré et recréé par l'esprit récréatif de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute influence maléfique contre mes organes de reproduction soit détruite par le feu et le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la flamme de l'amour de Dieu soit ravivée dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Rabasanda rababa rebobo shanderi ababa. Répète encore avec moi, je réprime toute situation et tout esprit défavorable à l'expression de l'amour familial. Au nom de Jésus-Christ, je crée l'atmosphère de pardon, de patience, de tolérance, de sacrifice pour l'épanouissement de l'amour dans le foyer. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu triomphe sur tout le défi et les crises familiales. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est en train de t'attaquer. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire tes entrailles. Il veut détruire ta famille. Il veut détruire ton couple. Il veut briser l'harmonie. Il veut enlever l'harmonie dans ton couple. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu pour toi de manifester la gloire de Dieu. Tu vas maintenant briser. Tu vas rendre nul et sans effet tout ce que le diable a mis dans ton corps. Tout ce que le diable a infiltré dans ton corps. Pendant que je suis en train de parler, tu n'arrives pas à concevoir. Pendant que je suis en train de parler, tu as des problèmes dans ton ventre. Pendant que je suis en train de parler, il y a des jougs, il y a des nez que le diable, n'est-ce pas, a enfermé dans ton ventre. Tu es dans une prison. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as été voir le médecin. On t'a appliqué plusieurs traitements, mais il n'y a pas de solution. Je veux te dire que le Dieu de la Bible est capable de te donner des enfants. Est capable de te donner les enfants. Commence maintenant à prier. Rebo sandara bababa. Dis, je libère l'espace de mon ventre pour recevoir les enfants préparés par Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'espace de mon ventre pour recevoir les enfants préparés par le ciel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a déposé dans ton ventre, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie. Au nom de
Jésus-Christ, tout ce que tu as mangé. Bien-aimé, tu vas prier pour tout ce que tu as mangé la nuit. Tu as un ventre qui gonfle pour rien. Ça gonfle pour rien. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton fils, peut-être que c'est ton mari. Dans ta... Le ventre gonfle pour rien. Tu ne sais pas ce que tu as mangé, mais ton ventre est en train de gonfler d'une manière anormale. Impose tes mains sur ton ventre et commence à prier avec moi. Déclare, dis toute nourriture que j'ai mangée, toute nourriture de la sorcellerie, toute nourriture maléfique que j'ai mangée dans ma vie, inconsciemment ou inconsciemment, le jour ou la nuit. Maintenant, j'ordonne que cette nourriture libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Qui consume toute nourriture que tu as mangée. Tu l'as mangée la nuit, tu l'as mangée le jour, tu l'as mangée dans le rêve. Dans le rêve, bien-aimé, tu rêves que tu es dans une fête. Et dans cette fête, tu ne fais que manger. Il y a beaucoup à manger dans cette fête. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi pour détruire les œuvres du ténèbre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toute nourriture maléfique que tu as mangée, que tu as... Oh, rabababababababa. Le Saint-Esprit est en train de s'adresser à toi, ma soeur. Le Saint-Esprit est en train de s'adresser à toi, mon frère. Il y a des choses qui doivent libérer ta vie. Ça doit sortir de ton corps. Ça doit sortir de ton corps. Ça doit sortir de ton corps. Tu as des ventres gonflés. Tu as un ventre dur, gonflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit aujourd'hui te délivre. Rabababababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que tu vas sentir envie de vomir. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça t'empêche d'avoir les enfants. Ça t'empêche, n'est-ce pas, de vivre la grâce de Dieu. J'ai dit, ça va sortir. Adérebo Sandanababa. Toute nourriture que tu as mangée dans une fête, cette nourriture était ensorcelée. Cette nourriture était préparée par des sorciers. Marobo Sandiriababa. Barebo Sandarababa, Manderebosso, Ribababa, Bare, Indaraba, Shindarababa, Mandarababa. Cette nourriture laisse ta vie. Cette nourriture lâche ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'espace de ton ventre. Je libère l'espace de ton ventre pour avoir des enfants. C'est ton temps d'enfanter. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. C'est ton temps. Le Seigneur Dieu est en train de faire une œuvre puissante dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier pour ton mari. Toutes les réclamations contre la vie de ton mari, tu vas maintenant prier. Eria Sandara Baba, tu vas maintenant prier. Toute réclamation contre la vie de ton mari qui empêche ton mari, n'est-ce pas, d'être viril, qui empêche ton mari, n'est-ce pas, de te donner, alléluia, des enfants. Toute réclamation qui affaiblit ton mari, toute réclamation qui empêche ton mari de te donner les enfants, qui affaiblit la force de sa semence, tu vas prier pour ton mari maintenant. Tu vas prier, tu dis Seigneur Dieu, tu es capable de le toucher. Seigneur Dieu, tu es capable de le guérir. Peut-être qu'à l'heure que nous sommes en train de parler, ton mari est allé voir le médecin. Il prend des médicaments en médicaments, des traitements en traitements, mais il n'y a rien qui se passe. Écoute-moi, le Dieu de la Bible est capable de toucher là où il y a un problème. Il est capable de restaurer là où il y a un problème. Il est capable d'amener la guérison. Et Rabasandarababa, Barebo Shandarababa, reste pas comme ça, mais prie avec moi. Reste pas silencieuse.
mais prie avec moi. Tu vas briser ces œuvres du ténèbre. Tu vas briser ces œuvres du ténèbre qui a pris possession dans la vie de ton mari, qui a pris possession dans l'intimité de ton mari. Tu vas le briser maintenant. Tu vas le briser maintenant. Satan, lâche la vie de mon mari. Satan, lâche la vie de mon mari. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour que le Seigneur libère mon mari de mari de nuit, de femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que le Seigneur libère mon mari, que le Seigneur libère ma femme de mari et femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, votre couple doit être libéré de mari et femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, il y a un enfant qui arrive. J'ai dit un enfant qui arrive. Cet enfant s'appellera miracle. Cet enfant s'appellera miracle. Cet enfant s'appellera miracle. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre toute personne, Manderebosanda, qui, n'est-ce pas, a dit que tu n'auras pas des enfants. Toute personne qui a prononcé des paroles que tu n'auras pas des enfants. Je viens te dire que Dieu est capable de les confondre. Au nom de Jésus-Christ, je viens prier pour ton ventre. Je viens prier pour ton ventre. Il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, si on a vendu tes enfants dans le monde de ténèbres, si on a vendu tes enfants comme esclaves dans le monde de ténèbres, si on a détruit le matrice, si on a détruit cela, si on a détruit la vie, si on a détruit la vie, si on a détruit la place où les enfants peuvent rester, je te dis maintenant, la puissance de Dieu, et oh rababa, ma mandere, et yakanda rababa, la puissance de Dieu va récupérer ce qui est à toi. Je dis, elle va récupérer ce qui est à toi, elle va récupérer ce qui est à toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si on a vendu tes entrailles, si on a vendu tes enfants, si on a vendu ton ventre, si l'ennemi utilise ton ventre, si le diable utilise ton ventre pour mettre toute mauvaise chose dans ton ventre, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu descend maintenant, la puissance de Dieu descend maintenant pour te libérer. J'ai dit pour te libérer, j'ai dit pour te libérer, j'ai dit pour te libérer, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, le Saint-Esprit est en train de libérer l'espace dans ton ventre. Il crée l'espace pour les enfants. Il crée l'espace pour les enfants. Tu auras des triplés. Tu auras des enfants. Tu auras des triplés. Tu auras des jumeaux. Le Saint-Esprit va faire un travail. Et ces enfants seront appelés enfants miracles. Tu appelleras et tu témoigneras à Dieu. Tu témoigneras à Dieu. Je sais ce que mon Dieu est capable de faire. Je sais ce que mon Dieu est capable de faire. Il est capable de te donner encore des enfants. Peut-être que tu as un enfant. Peut-être que tu as deux enfants. Peut-être que tu as trois enfants. Tu cherches à en avoir encore, mais tu n'arrives pas à avoir des enfants. Ton mari fait des efforts. Toi, tu fais des efforts, mais vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Écoutez-moi, le Saint-Esprit de Dieu va toucher là où il y a le problème. Va toucher là où il y a le problème. Va toucher là où il y a le problème. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, reçois les enfants. Reçois les enfants. Dis avec moi, je le reçois au nom de Jésus. Reçois le plus beau enfant. Tes enfants ne seront pas comme n'importe quel enfant. Tes enfants seront comme des Samuel. Ils seront comme des Joseph. Ce sont des enfants de destinée. Ce sont des enfants de destinée. Ils auront une forte étoile. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rabababababababa. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Est-ce que quelqu'un croit à ses paroles? Est-ce que quelqu'un croit à ses paroles? Est-ce que quelqu'un croit que son miracle c'est maintenant? Je dis pas demain, je dis c'est maintenant. Tu n'es pas tombé en vain sur cette vidéo. Tu n'es pas tombé en vain sur cet audio. Dieu est capable de te restaurer. Je dis maintenant, ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette prière. C'est parce que Dieu veut te restaurer. C'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi. C'est parce que Dieu veut changer l'histoire de ta vie. C'est parce que Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Le sujet d'enfant est devenu, n'est-ce pas, de problèmes, de conflits dans la famille. La famille de ton mari se moque de toi parce que tu ne lui donnes pas des enfants. Tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans et tu n'arrives pas à avoir des enfants. Écoute-moi, la main de Dieu est au-delà de la ménopause. La main de Dieu est au-dessus de la ménopause.
ménopause. La ménopause ne peut pas stopper la main de Dieu. La ménopause ne peut pas stopper la main de Dieu. La Bible me dit que Sarah avait la ménopause, doublement ménopause. Mais bien aimé, le Seigneur s'est manifesté dans la vie de cette femme et cette femme a enfanté un enfant miracle. Cet enfant s'appelait Isaac. Dieu est capable de le faire. Tu n'as pas encore atteint l'âge de Sarah. Si Dieu a donné un enfant à Sarah, il est capable de te le donner. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est rebossa. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, tu verras ton miracle. Oh, tu verras ton miracle. Commence déjà à préparer la chambre pour ton enfant. Commence déjà à faire des actes de foi. Commence déjà à chercher le nom, le prénom pour cet enfant. Commence déjà à chercher le prénom pour cet enfant. Commence déjà à designer ta bénédiction, à designer ton miracle. J'ai dit, le miracle arrivera. Tu témoigneras Dieu. Tu témoignes. Oh, rabababababa. Je m'adresse à toi. Oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Alors que je suis en train de prier, tu connais ta soeur qui a ce problème-là. Alors que je suis en train de prier, tu connais ton frère qui a ce problème-là. Je veux te dire, le Dieu de la Bible est capable. Baré, il est capable. Aujourd'hui, le Goliath de la stérilité va tomber. Oh, tu m'as pas saisi, j'ai dit il va tomber. J'ai dit aujourd'hui, le Goliath de la stérilité, il va tomber. J'ai dit le Goliath de la stérilité tombe. Aujourd'hui, le Goliath de la stérilité, il tombe maintenant. Il tombe le lundi, il tombe le mardi, il tombe le mercredi, il tombe le jeudi, il tombe le vendredi, il tombe le samedi, il tombe le dimanche. Le Goliath de la stérilité, il tombe maintenant, il tombe. Rababababai, barenda, barebo, rinda rababa, barandiriabase, baro, barenda rababa, il tombe maintenant. Si c'était un homme fort dans ta famille qui a livré les enfants, qui a livré les entrailles de la famille, dans ta famille, il n'y a aucune femme qui a des enfants, dans ta famille, il n'y a aucun homme qui a des enfants, il y a un homme fort qui a livré. J'ai dit maintenant, ce Goliath doit tomber. J'ai dit, il doit tomber. Dis avec moi, il tombe. Aïe, dis avec moi, il tombe. Rabababababa, shekaria baba. Dis avec moi, il tombe. Mande rebosanda baba. Dis avec moi, il tombe. Il tombe aujourd'hui. Il tombe le lundi. Il tombe le mardi. Il tombe le mercredi. Il tombe le jeudi. Il tombe le vendredi. Il tombe le samedi. Il tombe le dimanche. Au nom de Jésus. Le Goliath qui a fermé tes entrailles, qui a mené des jougs, des cadenas dans ton ventre. Il a mené des cadenas spirituels dans ton ventre. Ces cadenas tombent. Ces cadenas brisent. Je débloque ton ventre. Alors que je suis en train de prier, ton ventre est débloqué. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Cette prière est accompagnée par la puissance de Dieu. Je ne connais pas le pays où tu te trouves, mais je te dis, la main de Dieu t'a localisé. Je ne sais pas là où tu pries. Peut-être que tu pries dans ta chambre. Tu pries, je ne sais pas où, mais la main de Dieu t'a localisé. Oui, j'ai dit, la main de Dieu t'a localisé. C'est toi. Oui, c'est toi. Tu as trop pleuré. Les gens voient le maquillage que tu as. Les gens voient ton joli visage, les gens voient ta silhouette, mais tu as trop pleuré parce que tu cherchais l'enfant comme Anne a pleuré devant Dieu. Anne a pleuré, il dit, non Seigneur, fais du bien à ta servante. Elle a pleuré et Dieu l'a visitée. Je t'annonce, comme a annoncé l'homme de Dieu à Anne, que cette année tu toucheras ton enfant, cette année tu toucheras au triplé, cette année tu toucheras aux jumeaux, cette année tu toucheras aux enfants. Les robinets ne vont plus se fermer, tu auras des enfants, jusqu'à ce que toi-même, tu dis, Seigneur, ça n'est assez maintenant, j'ai été trop béni, maintenant c'est bon, Seigneur, le Seigneur ouvre le robinet du ciel. Commence maintenant à annuler, prie avec moi,
annule toutes les paroles qui ont été déclarées sur toi. Les paroles qui ont été déclarées. Que toi, tu n'enfanteras pas. Que toi, tu n'auras pas des enfants. Que toi, tu ne toucheras pas le bébé. Toi, tu ne donneras pas des enfants à cet homme. Toi, cet homme, tu ne donneras pas des enfants à cette femme. Commence à annuler ces paroles. Oh, rabababababab. Dis avec moi, j'annule. Rebo sandarababa. Dis avec moi, j'annule. Mande rebo sanderiababa. Dis avec moi, j'annule. Rebo sanderiababa. Toute parole qui a été déclarée la nuit, le jour, sur la terre, dans le zère, dans la forêt, Rebosandarababai, toute parole qui a été déclarée, qui a pris la terre comme témoin, qui a pris le ciel comme témoin, qui a pris les éléments de la nature comme témoin, cette parole qui a été déclarée, qui m'empêche d'enfanter, qui m'empêche d'avoir des enfants, qui m'empêche d'avoir encore des enfants, toutes ces paroles qui ont été déclarées, je l'annule maintenant, je l'annule maintenant, je l'annule, oh rababababa, annule cela, Manderebosso, Marinderai, Ribosa, annule cela, annule cela, Mandiria, Barenda, Barenda Rababa, annule cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu as fait de fausses couches. Peut-être que tu as fait trop de fausses couches. Et tu te dis, non, c'est fini. J'en ai marre. J'en ai assez. Je ne veux plus essayer. Bien-aimé, essaye encore. Le Dieu de la Bible n'a pas encore fini avec toi. Peut-être qu'alors que je suis en train de parler, dans ta jeunesse, tu as fait trop des avortements. Tu ne savais pas. Tu étais inconsciente. Tu as été manipulée. Peut-être que tu étais inconsciente. Tu as fait trop des avortements. Et quand tu es dans le mariage, tu ne fais plus des enfants. Les enfants n'arrivent pas. Je te dis, dans le ciel, il y a encore des enfants. Je te dis que dans le ciel, il y a encore des enfants. Il faut des pardon à Dieu. Il faut confesser sincèrement. Il faut appeler des véritables hommes de Dieu. Je dis bien des véritables hommes de Dieu qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider dans la prière à ouvrir le ciel pour toi. À ouvrir le ciel pour toi. Et tu verras le Dieu de la restauration. Tu verras le Dieu de la miséricorde. Le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, le Dieu que je te présente, c'est le Dieu de la miséricorde. C'est le Dieu de la miséricorde. C'est le Dieu de la miséricorde. Alors, dis avec moi, j'annule. Dis avec moi, j'annule toute parole que j'ai prononcée, moi-même, consciemment ou inconsciemment, la nuit ou le jour, contre mon enfantement, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les paroles que je proclamais, que je prononçais, contre mon enfantement, contre ma bénédiction, maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils vont au lit, ils rêvent mais ils parlent. Ils ont des rêves, mais dans ces rêves-là, ils déclarent des paroles. Peut-être que tu étais inconscient. Des paroles que tu as déclarées a bloqué ta vie. Des paroles que tu as déclarées a bloqué la vie de tes enfants. Les paroles que tu as déclarées a rendu ton mari nul et sans effet. Il y a d'autres personnes. Sous l'effet de la colère, ils ont déclaré des paroles sur leur femme. Ils ont dit que toi, d'ailleurs, tu ne me donneras jamais des enfants. Il y a d'autres femmes, sous l'effet de la colère, ils ont déclaré des paroles contre leur mari. Ils disent, toi, je n'aurai jamais, je ne te donnerai jamais des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, annule ces paroles. Le monde spirituel, le monde des esprits, c'est le monde des paroles. C'est le monde où les paroles sont puissantes. Annule ces paroles. Il y a des paroles qui ont été suspendues contre toi. Tu es marié avec un homme. Tu es marié avec une femme. Et la famille n'a pas été contente. Pendant que je suis en train de parler, la dot n'a pas été consommée. Pendant que je suis en train de parler, il y a des choses que tu n'as pas encore données. De la dot, tu as pris la fille d'autrui. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, tu as pris la fille d'autrui. Tu n'as pas donné la dot. Tu n'as pas versé la dot. Tu n'as pas présenté cette relation devant Dieu. Vous vivez en concubinage, mais tu veux avoir des enfants. Tu cherches à avoir des enfants. Et tu dis, mais pourquoi ça bloque? Bien-aimé, règle d'abord les histoires avec Dieu. Règle d'abord les histoires avec la famille. Cette fille-là ne provient pas d'un arbre. Cet homme-là, non, doit t'honorer. Pour que Dieu puisse bénir. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Règle tes histoires et l'Éternel va manifester sa gloire. Peut-être qu'alors que vous êtes marié, il y a des personnes qui n'étaient pas contentes. Il y a des personnes qui n'étaient pas contentes. Il y a ton ex-fiancé qui t'a réclamé. Tu avais promis à ton ex-fiancé que non, c'est toi que je vais marier. C'est toi. Et nous aurons des enfants ensemble. Mais alors tu t'es marié avec une autre personne. Et depuis que tu t'es marié avec cette personne, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. J'ai beaucoup de témoignages comme ça dans mon ministère, de personnes qui ont vécu ces choses. Il faut d'abord régler, appeler l'ex-fiancé et finir cette affaire et continuer ta vie. Mais si cet ex-fiancé est allé chercher
est allé chercher dans la sorcellerie pour t'envoûter, pour détruire ta vie. Je viens maintenant annuler cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, alors que je suis en train de parler, toi-même tu es en train de réfléchir à toutes les portes que tu as ouvertes. À toutes les portes que tu as ouvertes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton enfance, alors que tu étais encore jeune, il y a des pratiques que tu as faites. Il y a des choses que tu as faites, que tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Que pour toi, tu penses que ce n'est pas important. Mais peut-être, bien-aimé, ce sont là ces choses qui sont en train de t'enfermer. Ce sont là des choses qui sont en train de fermer les portes. Ce sont là des choses qui sont en train de bloquer tes entrailles. Barré Bosson. Dara, barre dara baba, barre bosso, bin dara baba, recobosa, barre dara baba. Toute personne qui était au jour de ta dot, toutes ces personnes qui a pris cette dot avec un mauvais cœur et qui essaie de te combattre, j'appelle la puissance de Dieu. Je dis j'appelle la puissance de Dieu. J'appelle la puissance de Dieu d'annuler ce combat, d'annuler ce combat. Peut-être que lorsque ton mari est venu te marier, il n'a pas tout donné. Il n'a pas donné tout ce qu'on a demandé dans la liste de dots. Peut-être qu'alors que lorsqu'il a donné cela, il y a des personnes qui ont dit que mais non, mais moi je n'ai pas demandé comme ça. Bien-aimé, toute cette méchanceté, toute cette méchanceté est détruite. Au nom de Jésus-Christ, et toi qui vis encore dans le concubinage, arrange tes affaires. Arrange tes affaires, non seulement devant l'État, arrange tes affaires, non seulement devant la famille, mais amène ça aussi devant l'Église, pour que l'Église prie pour toi. Tu n'as pas besoin d'organiser une fête avec des millions de invités, une fête je ne sais pas comment. Non, bien-aimé, tu as besoin d'être en règle avec l'État, d'être en règle avec la famille, d'être en règle aussi devant la face de Dieu à l'Église, parce que l'Église ne marie pas, mais l'Église bénit l'union que les parents et l'État a approuvé. Alors, lorsque les parents ont approuvé, lorsque l'État a approuvé, lorsqu'il y aura la bénédiction de Dieu sur toi, quand tu présenteras ton union devant la face de Dieu, alors, aucune puissance de l'ennemi ne peut résister contre toi. Je dis, aucune puissance de l'ennemi ne peut résister contre toi. Je dis, c'est ton temps d'enfantement. Oui, tu vas enfanter. Oh, je dis, tu vas enfanter. Je dis encore, tu auras des enfants. Oui. J'ai dit, tu auras des enfants. Quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, quelles que soient les paroles qui ont été déclarées contre toi, tu auras des enfants. J'ai dit, tu auras des enfants. Quel que soit ton âge, Dieu n'a pas besoin de ton âge pour te donner les enfants. Les miracles vont scandaliser les gens. Tu es devenu un objet de moquerie. Les gens se moquent de toi. Lorsque tu passes, les gens se moquent de toi. Ils disent, mais voilà, qu'est-ce que cet homme fait avec cette femme-là? Cette femme-là, elle ne donne pas des enfants. Elle n'a pas de place pour les enfants. Elle n'a pas de place pour donner les enfants. Je veux te dire, le Dieu de la Bible est capable de te scandaliser. Il est capable de t'amener le miracle. Il est capable d'amener des miracles scandaleux. Des miracles scandaleux. Ça arrive dans ta vie. Aïe, 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 reçois les triplés. Je dis reçois les triplés au nom de Jésus. Je dis reçois les triplés au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ce sont des triplés miracles. Reçois cela. Reçois des jumeaux. Reçois des enfants miracles. Ces enfants arrivent maintenant. Cette année, tu témoigneras le Dieu de la Bible. Cette année, tu témoigneras le Dieu de prière révolutionnaire. Cette année, tu témoigneras le Dieu de l'apôtre Joël. Tu témoigneras, tu diras, ce Dieu-là m'a fait du bien. Ce Dieu-là m'a fait du bien. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à une personne qui sent envie de vomir. Il veut vomir, mais il y a des choses qui montent. Vas-y, vomis et fais sortir toutes ces choses. Il y a un lavage spirituel. Il y a un lavage spirituel de ton ventre. J'ai dit, il y a un lavage spirituel de ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler, il y en a qui sentent des vertiges. Assieds-toi tranquillement. Écoute la prière. Il y a quelque chose qui se passe. Les maris de nuit silencieux qui ne se manifestent pas, mais tu vois que les choses ne bougent pas. Ces maris de nuit là qui a pénétré ta vie, qui est rentré dans ta vie, il te lâche maintenant. Aïe, je dis te lâche maintenant. Il va prendre ses bagages. Tu es dans la maison, tu penses que tu es seulement avec ton mari, mais il y a un deuxième mari. Il est là pour détruire tout ce que tu fais avec ton mari. Au nom de Jésus-Christ. Oh,
Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train de parler, va sur le lit où tu te couches avec ton mari. Va sur le lit où tu te reposes avec ton mari. Tiens ce lit, impose ses mains sur ce lit-là. Je vais prier maintenant que toute activité, répète avec moi, que toute activité intime qui sera faite dans ce lit, que cela soit productif au nom de Jésus-Christ. Dis encore toute activité. Dis avec toi, dis toute activité qui sera faite dans ce lit, cela soit productif au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui se passera sur ce lit avec ton mari, tout ce qui se passera sur ce lit avec ta femme, je déclare que cela soit productif. Je produis le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse. Dis avec moi, je chasse. Dis encore avec foi, dis je chasse. Dis encore avec foi, dis je chasse. La troisième personne sur mon lit conjugal. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore, je chasse. La troisième personne sur mon lit conjugal. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a lorsqu'ils s'endorment, lorsqu'ils vont au lit avec leur mari, lorsqu'ils vont se reposer avec son mari ou sa femme, ils voient une dame. Ils voient une troisième personne sur le lit. Cette troisième personne, peut-être il a le visage de quelqu'un que tu connais. Peut-être que tu ne vois pas son visage. Tu dois le chasser, ce n'est pas sa place. Tu dois le chasser, envoie-lui le feu. Envoie-lui le feu. Envoie-lui le feu. Envoie-lui le feu. Qu'il puisse prendre ses bagages. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Dans cette chambre, dans ce lit, c'est toi qui es la reine. C'est toi qui es la reine, ma soeur. Dans ce lit, c'est toi qui es le roi, mon frère. Il n'y a pas une troisième personne. Cette troisième personne doit quitter. J'ai dit, cette troisième personne doit quitter. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Et à la puissance de Dieu, commence maintenant à envoyer le feu. Le feu dans ta chambre. Le feu dans ta chambre. Tout ce qui a été déposé. Tout ce qui a été déposé. Qui empêche que tu puisses avoir des enfants. Qui détruit tout le projet que vous avez dans la chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, envoie le feu maintenant. Que le feu consume spirituellement toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Fire. Envoie le feu. Il doit être consumé. Elle doit quitter ta chambre. Cette dame spirituelle doit libérer ta chambre. Cette dame spirituelle doit libérer ton mari. Ton mari ne trouve plus du temps avec toi dans l'intimité. Tu deviens dégoûtante pour ton mari. Tu ne passes plus de moments intimes avec lui. Bien-aimé, cette dame doit quitter au nom de Jésus. Il doit quitter dans la tête de ton mari. Il doit quitter dans la tête de ton mari. Au nom de Jésus-Christ, déclare encore avec moi. Dis, toute personne qui rentre dans ma maison avec l'idée d'envoûter ma maison, qu'il croise l'Éternel des armées. Qu'il croise les anges de Dieu. Qu'il croise la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui entre dans ta maison, tu as reçu une amie. Une amie dans la maison, tu l'as reçue. Mais attendez, si cette amie commence à passer des moments d'intime avec des moments d'intimité avec ton mari. Tu as reçu une amie. Tu t'es confié à une amie. Et cette amie commence à détruire ta vie de couple. Il commence à détruire ta vie de couple. Et tout ce que tu fais avec ton mari n'a plus de force. Ton mari, lorsqu'il passe des moments intimes avec toi, dans sa tête, il pense toujours à cette fille. Oh bien-aimé, commence à enlever tout le film dans l'espace de la tête de ton mari, dans l'imagination de ton mari. Au nom de Jésus, lorsque tu es en intimité avec ton mari doit te voir toi. Il ne doit pas voir Sandrine. Il ne doit pas voir, je ne sais pas, Berthe. Il ne doit pas voir, je ne sais pas, Solange. Il ne doit pas voir, je ne sais pas, je suis en train de chercher les noms. Il ne doit pas voir son ex, non. Il ne doit pas passer des moments intimes avec toi pour qu'il puisse prendre plaisir. Il faut qu'il passe à son ex. Non, bien-aimé, il doit penser à toi. Au nom de Jésus, j'ai dit, dans cette chambre, tu es la reine de la chambre. Dans cette chambre, tu es le roi de la chambre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute activité intime qui sera faite sur ce lit conjugal, soit bénie. Bénis ton lit maintenant, bénis ton lit. Oh, c'est ton paradis, bénis ton lit, c'est ton paradis. Bénis ce lit au nom de Jésus. Rababa, bénis cette chambre. Bien-aimé, tu y es peut-être dans la chambre conjugale, c'est trop sale.
La chambre conjugale est trop sale. Tu as trop de cartons. Tu as trop de choses. Tu as trop de chaussures. Il y a des choses que tu n'as même pas encore enlevées. C'est trop sale. Ça sent pas bon. Il n'y a pas un bon parfum dans cette chambre. Dans cette chambre-là, il n'y a pas d'espace. Les maris ne trouvent pas d'espace. Bien-aimés dans le Seigneur, le désordre n'est pas le fruit de l'esprit. Le désordre, c'est aussi le signe d'un mari de nuit. Parce qu'il ne veut pas que ton mari puisse être le roi dans la chambre. Il ne veut pas que ton mari soit le roi. Alors lorsqu'il voit toutes ces saletés, il va dire, mais quelle est cette femme-là? Lorsqu'il voit toutes ces saletés, il va dire, mais quelle est cette femme? Je veux aller ailleurs. Bien-aimés, je chasse cet esprit de désordre. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit de surménage. Au nom de Jésus, prends tes courage entre tes mains. Lève-toi, débarrasse des choses. Débarrasse des choses dans ta chambre. Aïe, 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 aïe. Je parle avec autorité de Dieu. Permettez-moi, mais je dis encore, débarrasse des choses dans ta chambre. Cette chambre doit respirer. Cette chambre doit respirer. Cette chambre doit respirer. Cette chambre doit respirer. Des beaux draps, des belles couvertures, des beaux fleurs, des bonnes choses pour que ton roi puisse te reposer et que ton roi fasse de toi sa reine. C'est votre paradis. Satan, tu as menti. Je dis Satan, tu as menti pour ce couple. Satan, tu as menti. Cette sœur, elle n'est pas surménagée. Cette sœur, elle n'est pas dépassée. Non, bien-aimé, lorsque tu rentres dans ta chambre, tu es dépassé. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Le diable a pris possession. Marie de nuit a pris possession. Il a amené des désordres dans la chambre. Il y a d'autres chambres où tu rentres, tu sens l'odeur, je ne sais pas de quoi. C'est comme, oh bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu n'est pas là pour te condamner, mais Dieu veut t'ouvrir les yeux. Il n'est pas là pour te condamner, mais il veut t'ouvrir les yeux pour que tu sors de cette prison. Peut-être que toi tu considères que c'est normal, peut-être que ton mari ne te dit pas, mais j'aimerais te dire que tu seras surpris un jour. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Oh, ya, 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 ya. Écris avec moi, dis, le diable est un menteur. Barre, taka, babache. Barre, ndiria, baba. Barra, baba. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Oui, oui, j'ai compris que l'espace de ma chambre doit être libéré. Parce que c'est là où, c'est le terrain d'amour. C'est le paradis d'amour. Oh, alléluia. Mari de nuit, femme de nuit, tu n'as pas d'espace. Parce que cette année, moi, j'enfanterai. Aïe, je ne sais pas pour toi, mais je vais dire à quelqu'un que tu enfanteras. Aïe, 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 dis avec moi cette parole, c'est pour moi. Dis encore, c'est pour moi. Aïe, 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 dis encore, c'est pour moi. Cette année, j'enfanterai. Je donnerai un enfant à mon mari. Je donnerai un enfant à ma femme. Au nom de Jésus, je ferai de mon mari le roi. Et mon mari fera de moi la reine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Notre maison sera un royaume d'amour. Notre maison sera un royaume. Oh, yakaba baba. Barendaraba. Barikeba. Baré. Baré. Barendiria baba baba. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te délivre, te guérit maintenant. Pendant que je suis en train de parler, toute maladie qui est arrivé dans ton intimité, j'appelle la puissance de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu de te toucher, de te visiter. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Au nom de Jésus Christ, que Dieu nettoie ta peau, restaure ta peau. Au nom de Jésus Christ, que le Seigneur Dieu restaure ta beauté pour faire le bonheur de ton roi qui est ton mari, pour faire le bonheur de ta reine qui est ta femme. Au nom de Jésus, que ta force soit restaurée. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que ta force soit restaurée. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous connecter, rester connecté à nos vidéos sur notre page YouTube. Mission Messa TV, ou bien sur notre page Facebook JLTK Kamba. Tous les jours, nous passons en live entre 22h et 22h30. Nous passons en live et nous partageons des moments extraordinaires dans nos vidéos des réseaux sociaux JLTK Kamba. Dans Facebook, vous pouvez, n'est-ce pas, vous abonner à nos vidéos et vous serez connectés en temps réel. Vous recevrez des notifications
à chaque fois que nous serons connectés. Nous voulons vous inviter. Vous êtes en Suisse, vous êtes dans les alentours, vous habitez Lausanne et les alentours. Nous vous invitons tous les vendredis à partir de 19h. Vendredi solution, vendredi miracle, vendredi fire, vendredi gloire, vendredi succès. Avec le Seigneur, nous serons là en train de prier et de vivre la délivrance. Parce que, bien-aimé, le Seigneur, sa volonté est que tu sois libre au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.